Bienvenue sur T-Eternal pour passer du 2 au 3, ça va servir pour le 4. Bon. Ce matin, j'ai fait un super film avec Obi-Wan. Mais je sais pas, il y a son petit frère qui a enlevé les films, je sais pas trop qu'est-ce qu'il m'a dit. Mais j'avais un super bon rêve ce matin. Bon, là, j'étais à peine énervé parce que Tata m'a encore gonflé. Oui, juste au moment de la fin du film, tu sais, il lui faut son Doliprane à ce moment-là. Bon. Enfin bref, c'est rien ça. Putain, mais fumez un joint, buvez un coup, mais vous droguez pas aux médicaments. Enfin bref, c'est parce que je parlais à Obi-Wan, c'est parce qu'en fait, j'avais la Guerre des Étoiles ce soir. Je savais même pas, mais c'est pas... Alors tout ça, c'était pour dire quoi ? Le vrai songe du matin... Alors déjà, je vais prévenir que... Parce que j'en ai fait trois en trois jours, enfin j'en ai fait plusieurs. Normalement, quand il arrivera, comment dire, le nuage un peu rouge, bon, le nuage rouge, des pluies acides, normalement j'ai le bouclier de rédemption. Bon, c'est un rêve, hein. Après, ce matin, il n'y avait pas d'avoine. Enfin, à midi. Et qu'est-ce que j'ai expliqué ? J'ai expliqué que c'était comme si c'était un... mon padawan, comme si c'était un... mon petit frère ou pas mon fils, parce qu'il a 17 ans. Que j'étais le parrain quand je l'avais fait peindre à feu vert, je sais pas, vers 2000... Il y a 3 ans. Comme ça, 4 ans, 5 ans. J'expliquais, comment est-ce que je pourrais expliquer à mon enfant que j'aurais dû avoir avec la Vierge Marie, que j'ai épousée à la lune d'Annonciation 2009, à Azrou, puis après on était allé à Ifrane, à la cascade de la Vierge, comme ça, j'avais dit qu'elle porterait l'enfant. C'était pas trop grave comme ça, mais c'était pour expliquer l'escroquerie de, tu sais, les visas Schengen, les machins comme ça. Enfin, si t'as de la thune, tu t'en sors toujours. Mais si tu mets pas des bifetons chez le juge ou chez le truc, le notaire, la doule, non, ça marche pas. Parce que moi, l'histoire du mariage, c'était pour marier tous les chrétiens, tous les musulmans. Bon, pas pour enculer le peuple juif. Mais en fait, c'est pour niquer les sionistes, les Illuminati, le Macron en boîte, Sos Rothschild, les Bilderberg, les... Tu vois, toute la saloperie du pouvoir de merde du monde du pognon. Il va encore tout raboter, là. 95 centimes le timbre. Ouais. Il y a encore tout qu'augmente, là. Dis donc. C'est marrant, le SMIC, il augmente que d'1%, mais eux, ils... Je sais pas, qu'est-ce qu'ils mangent. Ils augmentent de 7% ou 6%. L'essence, le truc, le machin. Enfin, ça fait chier, quoi. Quel monde à pognon de merde. Putain, mais elle est où, ma révolte planétaire, là ? Ça avait commencé un peu en Iran, là. Bon, ils arrêtent tout le monde. Putain, mais si tout le monde se révolte un bon coup et qu'arrête de payer tout ce système d'enculé, il n'y a qu'à faire cause commune, caisse commune, plutôt que fosse commune. Tu vois, c'est simple. Obi-Wan, fie-toi à ton instinct. Alors, en même temps que j'expliquais ça aux jeunes, comment ne pas devenir une merde ? Alors, pas rentrer dans le moule à gâteau qu'ils font tous, là. Les fictifs de la vie. Mais finalement, la force est avec moi, quand même. Tu vois ? Même que je vais accrocher ma lessive. Alors, la merde. Moi, je vais plus aller chez Tata le soir. Hein. Si jamais il y a un truc qui te plaît, tu ne peux pas le voir jusqu'à la fin, ou faut toujours qu'elle t'emmerde. Je vais l'après-midi, voir si elle manque de rien. Et puis le soir, il se démerde. Après tout, il y a la paille, il y a les grutiers, il y a du monde. Hein. C'est pas comme les vieux qui crèvent seuls de froid dans leur baraque, là, quand rien à bouffer, que les gosses, ils ont rien à branler, tu vois. On va dire qu'elle est entourée, elle est bien entourée. Enfin bref, je râle pas trop là-dessus. Je vais essayer de me connecter.
Et puis d'envoyer ça comme ça, tous les Padawan et les Obi-Wan, parce que c'est Yoda qui parle. Que la force soit avec toi. Le retour de la force dans la farce. Le retour du Jedi. En plus, je l'ai là, il est par là-bas dans le merdier. Là, il est calé sur le diable. Et voilà. En direct de Envoyé spatial pour Éternel. C'est à vous, Cognac, j'ai pas. Mais par contre, j'ai l'aérobase. J'ai une putain de famille dans l'aérobase. Vous aimez, je mets même pas la puissance du truc. Enfin bref, on va l'envoyer comme ça. Poète.